Bonjour à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver en ce lundi 18 juillet. J'espère que tout le monde a passé un excellent week-end. C'est Jérémy Delsol pour votre émission La Matinale Admirals. Il est maintenant 8h30. On va démarrer bien sûr cette séance par le calendrier comme d'habitude pour voir ce qui nous attend au courant de la journée. Et on se penchera directement sur les graphiques. Je viendrai bien sûr vous saluer sur le chat. Alors ici, on commence avec le calendrier. On va avoir des petites publications ici à droite à gauche, côté européen notamment, en commençant avec l'Espagne et l'Italie, attendu à 10h sur les balances commerciales. On aura aussi un discours de la BE avec Sanders du côté britannique, attendu à 11h, et 11h30 des émissions obligataires, bon, côté allemand, ici. Mise en chantier du côté canadien, cette fois-ci à 14h30, 14h15, pardon, en début d'après-midi. Et sinon, l'indice ici des logements NAB, en fait, hein. Attendu à 16h côté américain en pleine séance US. Ce soir, les flux nets long terme côté US également attendu. Donc une matinée du coup avec plusieurs petites publications, mais une après-midi relativement tranquille comme vous pouvez le voir ici. C'est cette semaine où il y aura des choses intéressantes. On aura par exemple la confirmation des nouveaux taux de la BCE attendu jeudi, etc., etc. Donc on va regarder tout ça aussi bien sûr ensemble. Je vous rappelle juste que demain, on a un nouveau webinaire, le deuxième webinaire sur la psychologie du trading. Et cette fois, on passe directement sur comment bien préparer sa rentrée. On est encore au mois de juillet, mais au mois d'août, ce sera bien plus calme. On aura un webinaire et on rentrera directement déjà aussi dans le concret. Et du coup, l'été, c'est bien sûr aussi l'occasion de préparer sa rentrée de septembre, qui est très attendue et très importante pour bien finir l'année également. Donc demain soir, donc le 19 juillet, voilà, 20h-21h, on sera là et vous avez encore une journée 11h27. Du coup, pour vous y inscrire, ouvert à tous, vous avez juste votre adresse mail à inscrire ici pour être des nôtres dès demain soir dans ce webinaire. Allez, on va venir sur le chat ici, saluer tout le monde, bien sûr. Philippe qui nous dit bonjour à tous de Bretagne, bon trait de pouce bleu, bienvenue à toi Philippe, ça fait plaisir. Merci pour le like, j'espère que tu vas bien. Tu as passé un bon week-end aussi, Michael qui nous dit salut tout le monde, bienvenue à toi aussi, Michael. Tu nous dis hausse spectaculaire sur les indices depuis vendredi matin, à se demander quand ça va s'arrêter étant donné la récession qui se profile. Bah, des marchés qui réagissent en tout cas, oui, à la moindre bonne nouvelle, j'ai envie de dire. On avait deux participants la Fed qui du coup ont été relativement rassurants en disant qu'on n'aurait pas forcément 100 points de base de hausse mais plutôt 75, et du coup ça suffit à aider les marchés à rebondir pour l'instant. Mais c'est vrai qu'il y a des inquiétudes, il y a une récession qui se profile comme tu dis, donc à voir si cette hausse peut tenir. En tout cas, c'est vrai que ça va changer, en tout cas tenter de changer certains éléments sur les graphes. On va en parler dans un instant. Christina et Karim qui nous disent bonjour à toutes et à tous, bonjour Jérémy, j'espère que vous allez bien, pardon, tous pour le mieux. Bienvenue à toi, du coup Christina, et à toi Karim, j'espère que vous allez bien tous les deux également. N'oubliez pas, à chaque pas du coup vers le succès est une victoire, alors courez, like plus plus. Super bien dit Christina et Karim. Du coup, on enchaîne avec le Yo qui nous dit voilà, bonjour à tous, bonjour Jérémy, bienvenue à toi aussi le Yo. Christina qui dit à Mickaël, très bonne question. Du coup, ça n'a plus de sens. Yes, hein, un petit peu. En tout cas, c'est des marchés qui sont vraiment sensibles à fleur de peau, j'ai envie de dire, qui réagissent à la moindre petite bonne nouvelle, malgré du coup, bah, des pressions et un contexte quand même inquiétant. Christian qui nous dit aussi bonjour de Carcassonne où il fait régulièrement 45 degrés en plein soleil. Ouh, il fait chaud en ce moment. Bienvenue à toi Christian, j'espère que tu vas bien aussi. Reste bien à l'ombre, hein. Clairement. McCoy qui nous disait salut tout le monde, la Bretagne en force ce matin. Bienvenue à toi McCoy aussi, j'espère que tu vas bien. Laurent également qui est des nôtres qui nous disait 53 degrés à Portnic au soleil, 35 degrés à l'ombre. Bonjour à toi. Il fait vraiment chaud. Hein. Réchauffement climatique, on le sent bien, j'ai l'impression. Bobcat qui nous disait lol, Laurent faisait 30 à l'ombre du coup. Au Moutier, je sais pas d'où sort ton 53, lol. Et Hubert qui nous disait bonjour Jérémy, bonjour à tous du PACA 40 degrés aujourd'hui, bonne semaine et bon trade. Bienvenue à toi aussi Hubert. Restez bien à l'ombre, hein. Faut bien s'hydrater. Un été qui fait chaud, clairement. Chris qui nous disait bonjour tout le monde, température de saison environ 30 degrés dans le Var. Parfait. Et Michael qui nous disait bienvenue à toi Chris, hein, du coup. Michael qui nous disait du coup, ah oui, j'ai vu les températures en Bretagne, c'est fou, 40 degrés d'habitude, il fait toujours plus frais. Et Jérôme qui disait bonjour Jérémy, bonjour tout le monde, bonne séance à vous tous. Merci à toi aussi Jérôme, bienvenue à toi. Alexandre également, Florian, Thomas, Nassouf, Paul, Watson et Cyril. Bienvenue à vous tous, un grand plaisir de vous retrouver du coup ce matin. Thomas qui nous rejoint après 4 mois d'absence. Bah, ravi que tu nous rejoignes ici, hein, que tu ne nous aies pas oublié Thomas, ça fait plaisir. Bienvenue parmi nous à nouveau du coup. Et Christina quand même qui nous dit allez camarades s'il vous plaît. 50 likes voilà avant l'ouverture des marchés. On est à 22 déjà. Merci à tous ceux qui prennent le temps de liker. Merci pour ton soutien et pour votre soutien, Christina et Karim. Cyril qui nous dit donc si les taux augmentent, la Fed augmente, ça risque de baisser les marchés. Bah oui, parce que si tu veux, quand justement les indices boursiers, les marchés boursiers qui baissent quand les taux augmentent,
Et l'inverse, puisque bien sûr, quand tu t'en doutes, les taux augmentent, c'est pas des bonnes nouvelles pour les sociétés. Laurent qui nous est dans le jardin, pas de vent. Gaëtan qui nous disait, et l'autre du coup de Noirmoutier. Et bonne journée à tous. Bienvenue à toi aussi, Gaëtan, du coup. Et Vivi qui nous est, hello tout le monde, je suis à la hausse sur le degré Celsius, mais j'ai pris un short. Je pense que je vais me retrouver à poil. Excellent, Vivi, bienvenue à toi, ça fait plaisir. Allez, on continue ici donc sur les graphiques. Le JP225 qui tente la cassure des 27 000. J'ai resserré ce range un peu pour vous montrer aussi, puisque c'est vrai qu'on avait eu pas mal d'échanges récemment qui avaient confirmé plutôt des zones resserrées. Donc on parle alors d'un support journalier 26 000 points et d'une zone résistance journalière des 27 000 points, des niveaux clés psychologiques très simples. On a le graphique horaire qui nous montre aussi la sortie pour l'instant souhaitée par le haut. Après cassure du niveau intermédiaire des 26 800, on est sur le test de la R1 du jour avant la R2. Et quand on regarde ce qui s'est passé courant de la séance, ce n'est que de la hausse côté asiatique avec le JP225. Alors on va voir bien sûr ce qu'il en est côté bien sûr pardon européen. Désormais, on peut dire, hein, vous vous rappelez, pendant toutes les séances précédentes en fait et jusqu'à récemment, on avait encore une tendance baissière journalière valide pour moi sur le DAX 40. Ce n'est plus le cas. On est clairement dans un trading de range, comme l'était déjà du coup à la fois le FTSE 100, à la fois le CAC 40, à la fois les marchés américains. Le DAX était le dernier à arriver dans cette zone de consolidation et il est bel et bien présent dedans. Donc maintenant, zone support, borne basse hein, de cette zone de range, les 12 475 pour ma part, borne haute 12 950 de l'autre côté, borne haute d'ailleurs et résistance qu'on est en train de travailler après déjà ce test du sommet précédent. Le graphique horaire, lui, va nous montrer donc qu'on est sur un test en détail, hein, j'ai envie de dire, de cette zone clé résistance 12 950, après être sorti de cette zone de range un peu plus centrale dans laquelle on avait travaillé, réintégré, sorti. On était en réintégration haussière ici pour le test de la borne haute. On a même pu casser et progresser sur vraiment du coup la borne haute. Plus importante encore du range journalier. Donc test des 12 950 qui sera déterminant pour moi ce matin. On va avoir des choses intéressantes en fonction de ce niveau-là. On a l'AR1 qui est pas trop loin, donc zone obstacle jusqu'à preuve du contraire. Si elle est cassée, zone résistance bien sûr, mais le tout va tourner clairement autour des 12 950. Pour ma part, je vous avoue que ce matin, je préférais être à l'achat en cassure de la zone puisqu'on a déjà su s'affranchir de différents niveaux et qu'on est clairement dans de la tendance haussière. Donc attention juste avec cette AR1 qui pourrait faire zone obstacle résistance. Si cette zone obstacle résistance est cassée, elle peut se transformer en zone support, soutien bien sûr, et nous permettre la poursuite. Par contre, dernier test borne basse, on a été sans trop de peine sur la borne haute. Attention quand même, c'est vrai, à la réaction borne haute, borne basse, après du coup un élan aussi, en tout cas un rebond aussi, qui est assez franc quand même. On a eu une correction, deux corrections, petite correction, et on y a été. Donc attention à la respiration possible aussi. Résistance en fait et borne haute jusqu'à preuve du contraire. C'est surtout ça qu'il ne faudra pas oublier ce matin aussi. Ici sur le DAX. On va rester sur du 5 minutes, on va partir sur la bourse de Paris, le CAC 40 qui lui était déjà en range depuis un bon moment et c'est encore le cas. Sous le point pivot mensuel, on a la résistance clé des 6 100 points et en support borne basse, on a bel et bien les 5 850 points. Donc du trading en range, hein, clairement, jusqu'à preuve du contraire ici aussi sur la bourse de Paris. On va juste élargir ce range un petit peu central également ici. Je pensais l'avoir fait du coup, hop, voilà, comme ceci. Et vous voyez qu'on a un gap haussier ce matin pour l'instant sur le CAC. Un gap haussier qui nous permet de franchir déjà un niveau intermédiaire, les 6062. On va avoir ici du coup le souhait pour l'instant à court terme de peut-être revenir chercher la zone pour soit du rebond, soit de la cassure et rechercher un support plus bas pour tenter la poursuite. Là, on a clairement cassé par le bas pour mieux ensuite aller par le haut. Ce sera très intéressant de voir si cette cassure ici par le haut se tient pour de bon au lieu d'être aussi une fausse cassure et une réintégration comme ça a été le cas de l'autre côté ici même la dernière fois. Donc là, ce sera très intéressant de voir déjà à court terme ce matin s'il y a un respect ou non des 6062 et ensuite voir pour un test des 6020. 25. Si on a un respect des 6062, attention, borne haute journalière, résistance clé des 6100 points qui nous attend quand même. D'ailleurs, on va mettre voilà les points pivots, on va voir si on a des choses. On a de la R1, borne haute et 6100 points, du coup, en obstacle aussi, l'air de rien. La R1 du jour qui se situe à peu près aux 6090 points. Donc, on verra aussi ce jeu ici de zones multiples de résistance pour du rejet attendu dans un premier temps. Et si on a du break ici ou même du retest, bien sûr, pour de la poursuite et redonner un sens à une tendance haussière possible, j'ai envie de dire, sur le CAC 40. Mais pour ça, il faudra faire attention et attendre de belles confirmations, puisque rien n'est fait encore, bien sûr. Point pivot du jour en réintégration possible de zone de range autour des 5987,50.
On va partir sur la bourse britannique, le FTSE 100 qui est également en range depuis un certain temps quand même, sous le point pivot également mensuel. Mais par contre, c'est au-dessus de ce point pivot mensuel qu'on trouve bel et bien ici une résistance clé borne aux deux zones de range, les 7300 points. De l'autre côté, niveau psychologique, borne basse et zone support, les 7000 points. Donc trading en range jusqu'à preuve du contraire en journalier. Le graphique horaire, lui, nous montre qu'on a aussi un range horaire qui est d'actualité, dont on va travailler à l'heure actuelle même la borne haute avec cette résistance R1. Donc pareil, je vous avoue, j'aimerais bien être à la hausse ici à la chasse maintenant sur le FTSE 100, mais on a aussi une zone obstacle ici, la R1, les 7200 bornes de la petite zone de range. Donc en attente aussi de voir peut-être des réactions comme cela, rejet de l'obstacle dans un premier temps possible, et ensuite sinon cassure par le haut si ça se confirme en fonction déjà d'une première cassure de la zone. Donc là, très intéressant de voir si on a un respect en fin de compte quelque part de ce trading de range ou si on va être à même de pouvoir casser par le haut. Donc là, c'est le FTSE 100. On va partir sur du M5. Et on va surtout aller sur les marchés américains. J'arrive tout de suite. Allez, avant de partir sur les US, je reviens rapidement sur le chat ici. Christina et Karim qui nous aient du coup un joli W en formation sur le DAX. Tu me diras l'unité de temps si tu veux qu'on aille voir ça. Mais je pense que tu l'as vu hein, depuis le journalier certainement. Sébastien qui nous dit bonjour Jérémy, bienvenue à toi Sébastien. Tu nous dis je dois partir, alors je regarderai ce soir. Petite question, existe-t-il une vidéo tuto expliquant les options avancées du compte Admiral, Slippage, etc. C'est flou pour moi. Alors normalement on a une vidéo sur le Slippage justement, tu as juste à taper sur la... Tiens je te montre en 2 secondes. Hop. Ici dans la barre de recherche, Slippage. Ah, il me semblait qu'on avait une vidéo sur le slippage. Alors sinon tu me poses les questions que tu veux bien sûr pendant le live. Donc là t'es pas dispo aujourd'hui, mais sinon demain. Merci de regarder les replays, ça fait plaisir en tout cas de savoir que vous regardez aussi les replays quand vous pouvez pas être pardon dispo dans la séance du matin. Mais sinon si tu as des questions aussi sur le compte Admiral, si par exemple tu préfères le. Enfin tu souhaites choisir entre le 0, le trade, etc. Tu sais, contre trade MT5, contre trade MT4 ou 0 MT5, 0 MT4. Tu peux aussi demander directement sur le chat. L'équipe commerciale pourra te répondre aussi. Après, pour des choses plus techniques comme du slippage, comme du coup ce genre de choses sur directement liées au trading sur le compte, tu peux me poser des questions live, bien sûr, ici. Et du coup, tu me diras ça ou même mets-moi en commentaire hein, si tu veux, du coup, ce soir, quand tu regarderas le replay, les questions que tu as à Sébastien. En tout cas, très bonne journée à toi et merci de regarder le replay, ça fait plaisir. Niri, Python, Fred, Soufia, Maël qui nous dit bonjour, bienvenue à vous tous. Merci pour le 31e. 31e, pardon, je vais y arriver. Pouce Fred, ça fait plaisir. On est déjà à 36. Anthony qui nous dit du coup, j'ai acheté des calls sur NIO vendredi. Tu en penses quoi? Strike 22,50 et expiration le 29. Rappelle-moi, Anthony, si tu veux, on ira voir NIO. Je te dirai du coup 53$ le call. On ira voir le graphique de NIO si tu veux, pas de souci. Franck qui nous dit bonjour Jérémy, bienvenue à toi aussi Franck. Et on a aussi Micheli qui nous dit bonjour Jérémy, c'est Isaac, bienvenue à toi Isaac, j'espère que tu vas bien. Et Lydie qui nous dit aussi bonjour à tous, bienvenue à toi également Lydie. Allez, on part sur le S&P 500, donc ce fameux aussi trading de range, présent bien sûr depuis un moment. Borne haute, résistance 3900, borne basse, support 3750. On est sur la zone supérieure pour l'instant, légèrement au-dessus du point pivot mensuel. Et quand on descend dans le détail ici, on va ajouter même rapidement les points pivots. On a eu un très beau, une très belle réaction quand même, hein, assez rapide aussi, depuis le test et l'essai de la borne de base zone support clé des 3750. On est déjà vraiment non loin de cette borne haute. Maintenant, attention, 3900 bien sûr qui fera obstacle dans un premier temps. Borne haute de zone de range, niveau clé résistance et la R1 du jour qui est vraiment pas très loin. Donc soit on y va et on corrige comme ceci. Première réaction attendue en résistance, surtout après un mouvement aussi élancé. Soit ici, on respire. En fait, on hésite un peu, on respire un petit peu. Et ensuite, on va faire le test par exemple. Donc là, ce sera intéressant. En tout cas, dans un cas comme dans l'autre, j'aimerais voir un test de cette zone-là, soit pour du rejet, soit pour l'hésitation et du break, ou soit pour la cassure comme ceci, la confirmation. Mais en tout cas, un test vraiment intéressant d'une borne haute à surveiller, puisque la tendance quand même majoritairement présente sur les graphiques, hein, si vous partez sur du weekly, etc., c'est quand même de la tendance baissière. Donc attention à cet obstacle clé aussi. Puis comme on le disait tout à l'heure, on a toujours un contexte assez particulier et du coup, il faut quand même faire attention à ces réactions aussi des banques centrales par rapport à cette inflation galopante qui peut nous entraîner quand même vers une récession. Donc attention à ça.
Du côté du Nasdaq, c'est pareil, trading de range, borne 12 150, borne basse 11 375 au-dessus du point pivot mensuel, qui pour le coup correspond relativement avec la zone médiane de cette zone de consolidation. Donc là, on avait un petit range. D'ailleurs, on l'avait aussi sur le S&P, je l'ai nettoyé, mais c'est vrai que sur le Nasdaq, on avait un petit range ici. On a cassé deux fois par le bas pour mieux partir par le haut. Et depuis, du coup, on se rapproche quand même pas mal de la borne haute. Pareil, le test de la résistance ici aux abords, avant quand même. Ouais, avant même hein, les 12 150, puisqu'on parle des 12 090, ici on a aussi la R2 qui correspond avec cette borne de zone de range, avec ce niveau clé résistance des 12 150. Donc attention à un obstacle ici qui pourra marquer des rejets dans un premier temps, si on arrive à casser par contre de la poursuite bien sûr, et on sortirait d'une zone de consolidation en journalier pardon, pour aller sur de la tendance haussière possible. Donc ça, ce sera très intéressant de voir si on est capable de casser par le haut. Mais en attendant, résistance jusqu'à preuve du contraire, borne haute en plus de zone de range, il faut déjà s'y rendre. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir aujourd'hui un test des 12 050, voilà, pour repartir sur le sommet précédent à ce moment-là formé et ensuite atteindre les 12 150 points. On pourrait aussi très bien hésiter sans aller chercher vraiment le niveau. Ça s'est déjà vu, bien évidemment. Le marché n'est pas parfait. Regardez la dernière fois, on n'a pas pour autant été taper concrètement la borne basse de zone de range, et pour autant c'est une belle zone de range puisque dans le passé on avait vu de très 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 beaux tests. Donc voilà, ici le marché bien sûr qui n'est pas parfait, attention, plusieurs scénarios bien sûr à ne pas oublier, soit un rebond pour y aller, soit on y va de manière directe, mais on a aussi du rebond possible pour de la résistance, etc, etc. Pas tout de suite maintenant de trading de range sur le graphique horaire, puisqu'on est dans de la tendance pure et dure, tendance haussière pure et dure dans une zone de range journalière, qu'on soit bien d'accord. Donc voilà pour le Nasdaq. On va partir sur le Dow Jones 30. Dow Jones 30 qui est sur l'essai, la cassure pour l'instant, lui, de sa borne haute, les 31 350, borne basse 30 500, trading de range jusqu'à preuve du contraire. Et on est en train d'avoir les premiers signes ici d'une tentative de cassure aussi au-dessus du point pivot mensuel pour casser donc la zone de range. Pareil, on avait cette petite zone de consolidation mieux cassée par le bas pour partir vers le haut, et on est en train d'essayer de s'affranchir déjà des 31 350 points. Si je rajoute les points pivots, la R1 du coup est au-dessus, un peu en concordance avec un niveau intermédiaire pour moi, 31 500 points. Donc pareil, ici soit on y va de manière directe et agressive, soit on respire pour confirmer la cassure des 31 350 résistances passant support et se diriger vers ce niveau-là. Par contre, attention, si on a ce genre de choses-là, on pourrait recasser les creux, peut-être même ce point pivot mensuel, pour marquer la réintégration du trading de range. Donc quand même encore les 31 350 déterminants pour moi sur le dos à l'heure actuelle. Allez, on va partir sur la matière première. Je reviens rapidement sur le chat. Eddy qui nous disait bonjour à tous, bienvenue à toi, Eddy aussi. Emmanuel qui disait bonjour, bonjour. J'espère du coup qu'il y a la forme ce matin. Ça va, ça va. J'espère que toi aussi, Emmanuel. Bienvenue parmi nous aussi. Allez, on continue sur le gold. Toujours, toujours dans sa tendance baissière journalière indéniable. Ça n'a pas changé. Et pour autant, du coup, on a de plus en plus de rebonds en graphique horaire sur une zone clé. On en avait parlé la semaine dernière, les 1705 zones support. Ici, non loin d'ailleurs de la zone support S3 mensuelle. Un test, deux tests, trois tests et du rebond pour l'instant pour aller de l'autre côté. Vous imaginez bien qu'à l'heure actuelle, on n'est pas forcément pour le coup, hein, et on n'est pas pour moi même du tout dans de la tendance haussière. On est en fait up ici dans du trading de range. Donc on a une borne haute qui est respectée, une borne basse qui est respectée. Donc trading de range avec trois tests par le bas, deux tests par le haut ici, même celui-ci ou celui-là, on pourrait les compter. Donc on a vraiment pas mal de choses qui nous font dire que on a du trading de range horaire sur le gold à l'heure actuelle, et que du coup la borne haute et test de résistance à l'heure actuelle sera déterminant pour ce matin, 1 715 $ l'once d'or. On va redescendre sur du 5 minutes, on va aller voir ça comme ça. On a la R1 en plus ici de la zone résistance et de la borne haute de zone de range. On a cassé le creux ici. On va voir si on ne peut pas partir sur de la baisse ce matin pour un respect de ce trading de range sur le gold après des tentatives de cassure de sommet qui n'ont pas réussi. Soit ici on arrive à rejeter, soit attention, on réintègre et on va ranger aussi ici en M5. Donc on fera gaffe à ça bien sûr, on fera attention pardon à ça ensemble dans la séance. On va regarder aussi bien sûr ce que nous donne le système LTR en pré-open. Il est déjà orienté en baisse pour le Gold M5. On part sur du Brent, le Brent qui réagit aussi depuis sa zone support S2 et quelque part aussi forcément fonction de son niveau psychologique des 100 $ le baril. Borne basse en plus de zone de range journalière. Je vous rappelle que la borne haute c'est la résistance des 115 $. Donc on a 15 $ de range ici en journalier important à l'heure actuelle sur le pétrole après la réintégration des 115 et la cassure de l'oblique. Alors quand on regarde le range aussi dont on avait parlé, ici proche de la borne basse, il a donc été réintégré, travaille un peu, cassé, réintégré et encore cassé. Donc là ce matin, le Brent qui a envie de casser l'obstacle des 104,50, déjà concordant avec la R1 du jour et notamment la zone support, je vais juste enlever ça 2 secondes, voilà, S1 mensuel cassé. Donc on est en train de la réintégrer, donc ça, tous ces niveaux là hein, potentiellement vont jouer justement à nouveau office de support dans cette zone ici.
du moment qu'on arrive à maintenir la hausse qu'on a pardon, ce matin même sur le Brent. Ensuite, niveau intermédiaire, les 106 avec l'AR2 en concordance, qui pourra aussi faire appel, bien sûr, à un petit peu de respiration. Attention, si on réintègre un petit peu trop ce niveau des 104,50, c'est déjà un test du sommet précédent et des 103 qui nous attend, sinon même un petit peu plus bas, point pivot du jour. Mais voilà, ici, plutôt orienté sur de la hausse suite à un rebond borne basse. Clé en plus des 100$ le baril, en attendant de voir si on a de la respiration ou si on a un test relativement direct et franc des 106$ le baril avec l'AR2 du jour. On va partir sur le Forex, il est 8h50. Michael qui nous est, voilà, penses-tu qu'il est opportun, pardon, d'ouvrir une position avant l'ouverture d'une séance européenne ou américaine, par exemple 8h50 ou du coup 15h20? Alors, je suis pas très fan. Je suis pas très fan parce que, bah, après, ça dépend aussi, hein, Michael, la taille du stop. Toujours pareil. Pourquoi? Parce qu'en fait, les open sont pour moi un petit peu comme des publications économiques quelque part. C'est-à-dire que régulièrement, ils suscitent en fait de la volatilité. Et à partir de là, si c'est pour avoir, tu sais, des mouvements un petit peu piégeurs qui te sortent de ton stop alors que tu es dans le bon biais directionnel, c'est dommage. C'est frustrant pour le trader. C'est une perte du coup qui est, bah, qui est dommage pour le compte de trading, etc., etc. Donc je suis plus dans l'approche d'attendre l'open et de voir comment ça se présente justement, voir si l'open est capable de confirmer la tendance ou de remettre en question cette tendance-là, ou même si c'est une open ultra piégeuse et qu'il faut attendre un petit peu derrière. Voilà, hein, pour moi, ici, Michael, mon élément de réponse. Dis-moi aussi ce que tu en penses, hein. Mathieu qui nous disait, après toujours pareil, le backtest qui n'a pas de prix et qui peut aussi, bien sûr, selon le signal, selon l'emplacement du stop, répondre le mieux du monde à ta question. Mathieu qui nous dit, yo Jérémy, bienvenue à toi Mathieu. Bobcat qui nous dit, du coup, Michael, Jérémy va te dire spread trop grand et beaucoup de mouvements, pas forcément direction. Oui, bah tu vois, même le spread, c'est vrai, hein, ici, j'ai pas attaqué l'élément de réponse directement avec ça, mais oui, même le spread, c'est sûr. Michael qui nous dit, du coup, Bobcat, oui, ça se tient, ça marche. Allez, on regarde le forex ici, l'euro-dollar. L'euro-dollar qui avait cassé son range important, je vous rappelle, les 1,0775 par le haut en résistance et par le bas, c'était les 1,0350. Donc, cassure par le bas, cassure sous la zone support SA mensuelle également, et à la parité en fait, et même un petit peu plus bas que la parité. On a été jusqu'au 0,9950 quasiment, et la parité quand même qui zone support fait respirer un petit peu le marché, d'autant plus qu'on a une belle amplitude baissière, donc il faut bien que ça respire à un moment donné, hein. C'est le comportement des marchés. Donc là, on a ce niveau de parité qui est ici, donc on a eu la cassure de 50 pips pour aller chercher les 0,9950. Vous voyez tout ce maintien quand même qui se fait, je vous le disais, il était timide cet euro dollar face à la parité, et pour l'instant ça réagit et on remonte. Donc attention, parce que quand on dézoome ici, qu'est-ce que ça nous donne directement? Ça nous donne encore et encore. Vous voyez à quel point les marchés sont en range. On sait, hein, c'est aussi une vérité générale, la plupart du temps les marchés sont en range et pas en tendance. Donc là on est sur le test de la borne haute d'une zone de range résistance des 1,01. Tentative de cassure à l'heure actuelle, on va mettre les points pivots, on a la R1 juste au-dessus avec la S2 également et le bout de la mèche précédente. Donc attention à cette zone qui peut être rapidement testée. Pour autant, on pourrait aussi avoir ce genre de choses, réintégration de zone de range, donc attention. Bon, quand on pense aussi qu'on a besoin de respirer d'un point de vue journalier, ça serait bien qu'on ait ce genre de choses-là, hein, pour carrément faire le test de la R1, le test de la R2 en journalier, sur ces points pivots bien sûr. Mais pour ça, voilà, faut se maintenir en sortie de cette zone de range comme ceci, car s'il y a réintégration, attention aux points pivots, attention aux 1,0. 0,50 et puis bien sûr le reste borne basse, zone support S1, etc. Donc voilà où on en est. Déterminant, je trouve, cette zone aussi quand même à l'heure actuelle sur l'euro dollar. On ira voir ça aussi d'un point de vue 5 minutes. Pour l'instant, vous voyez, on fait des cassures par le bas, mais pour autant on casse par le haut. Attention à un marché un peu piégeur. GBP/USD toujours dans sa tendance baissière journalière indéniable. Ici, on continue de faire des creux et des sommets de plus en plus bas. On repasse un petit peu au-dessus de la zone support S1 mensuelle. On avait cette zone de range ici aussi, hop, qui a travaillé un petit peu. Et depuis, on a su respirer, repartir au-dessus de la zone support. Du coup, je vous lisais S1 mensuel, des 1,1865. Et on va faire le test de la résistance prochainement, des 1,1910. Ici, qu'est-ce qu'on a? L'AR1 un petit peu en dessous, de l'AR2 un petit peu au-dessus de la zone résistance, justement, des 1,1910. Donc attention à de la respiration possible face à ce test-là. Et si on arrive à casser ou consolider comme ceci, on aura plus de choses à voir en direction des 1,1955 et de la R3 du jour. Par contre, si on casse le creux précédent, aussi on a une belle zone support ici, zone support S1 donc mensuelle, et à nouveau elle est 1,1865 à regarder aussi. De toute façon, le GBPUSD, on l'étudie aussi le matin, et pour l'instant en 5 minutes, ça va ranger. Attention, ça va ranger ici. Je vais vous le mettre ce range, hop, comme ceci. La touche HS du mini terminal qui est assez pratique, hein, quand on peut voir ici que le range respecte les sommets les plus récents, le sommet, pardon, le plus récent, le creux le plus récent aussi. USDJPY reparti, vous vous rappelez, depuis la cassure des 136,75 dans sa tendance haussière. On est face à l'obstacle R1 mensuel et ça respire un petit peu.
pour le moment. Donc ça, c'est pas trop mal parce que ça nous aide à trouver des prix bas dans des marchés aussi potentiels, bien évidemment un petit peu à l'image de ceci, comme cela, hop, rajoute des points pivots. On a la zone support S1 qui corrobore mes 138,15. Niveau zone support, testé une fois, testé deux fois, on va voir si on a du rebond ici. On pourrait avoir des obliques, mais elles seraient en fait très très pentues. Donc si on arrive déjà à trouver du rebond, attention au niveau intermédiaire des sommets, bien évidemment du point pivot et notamment des 138,75. Et si on n'arrive pas à trouver du rebond, ça peut consolider et ensuite breaker plus bas pour trouver encore des prix plus bas dans de la respiration pour en fait continuer possiblement la tendance haussière journalière. Donc voilà, on en est, voilà ce que je trouve d'intéressant sur l'USDJPY, l'USD CAD qui a pris sa cassure au-delà des 1,3025, voilà, réintègre le range, ou en tout cas tente à l'heure actuelle de réintégrer le range précédent au journalier, parce qu'on a déjà pas mal de pips à la baisse sous les 1,3025. Le graphique à lui va nous montrer justement la réintégration d'un range, celui qui se trouve être avec vraiment la borne haute, en fait un des 1,3025 ici établi par le haut, et par le bas on va parler des 1,2950, 1,2940. Donc pour l'instant on est en pleine réintégration de la zone de range et on se dirige de manière assez directionnelle vers l'essai de borne basse. On va rajouter un petit peu des points pivots, on va voir ce qu'il en est. Vous voyez bien que la zone support S1 est quasiment atteinte et qu'ensuite on a la concordance borne basse, zone support S2 et 1,2950. Donc ici du trading de range en réintégration à la baisse sur l'USDCAD pour voir si on rebondit sur le prix médian, si on rebondit sur la borne basse en fait dans un premier temps. Petit point crypto à quelques minutes de l'open, je reviens sur le chat ensuite après. Tentative de sortie par le haut encore, mais attention, on l'avait déjà vu ici une première fois, limité aussi par le point pivot mensuel, et pour l'instant du coup on retente l'expérience ici au-delà des 21 500 après avoir rangé pas mal ici sur le Bitcoin, excusez-moi. Donc voilà, tentative de cassure même à l'heure actuelle, hein, puisque c'est vraiment dans les deux dernières bougies, dans les deux dernières heures qu'on a cette tentative de cassure. Il sera très intéressant de voir si on peut avoir donc soit un respect ici d'un retracement tout petit, assez timide, hein, j'ai envie de dire, ou plutôt d'un retracement plus important, plus intéressant. À ce moment-là, ce sera sur la R1. Vous voyez, ça correspond en fait, hein, la R1 du jour correspond quasiment au 21 500, la R2 au 22 000. Donc voir si on a un rebond sur la R2, voir si on a un rebond en fait sur la R1 pour trouver des prix plus bas, pour tenter de voir la poursuite et surtout la confirmation quelque part de ce breakout, puisqu'on pourrait aussi très bien réintégrer. Attention, on parle des cryptos, on parle de marché volatile et piégeur. Donc voilà ce qu'il en est, tentative de cassure ce matin. Je vous ai laissé encore ici ces niveaux en résistance puisque c'est des belles cassures. On va surtout attendre de voir si elles sont confirmées. Et eh bien sinon, si elles ne sont pas bien sûr confirmées, attention déjà sur un retour zone support des 20 700. Du côté de l'Ethereum, ce qui est intéressant, c'est que l'Ethereum est en avance sur le Bitcoin cette fois-ci. Sorti de la zone de range, il y a déjà du coup plusieurs... c'était ce week-end en fait, j'allais dire plusieurs séances, on ne l'a pas vu ensemble, mais c'est normal. Marché crypto ouvert le week-end et du coup ça s'est passé ce week-end. Mais du coup, belle cassure de la zone de range après un test ici, boum, on recasse, on consolide ici entre deux niveaux, c'est-à-dire entre les 1325 et les 1375, et on arrive à breaker dans le sens de la tendance pour déjà aller chercher les 1430, travailler cette zone R2, R3 autour des 1430 et en poursuite extension possible carrément les 1500. Donc à voir si on a du rebond, si on va tester la zone aussi de manière directionnelle en résistance, et si on a trop d'hésitation, attention à une réintégration de zone de range par la suite, bien sûr, si ça descend un petit peu trop. Voilà pour ces points marché. On va mettre les graphes en place et se tenir prêt pour l'open. Je vais vous montrer ce que ça donne aussi sur le système LTR en pré-open. On va juste aller chercher le CAC ici. Et voilà. Donc là, c'est du range pour l'instant. C'est le DAX qui va se chercher depuis 8 h ce matin. Aussi bien d'ailleurs sur le M1 que sur le M5. On a un gold, je vous le disais, qui commence déjà à être baissier. Je vais paramétrer tout ça. Voir s'il y a des choses intéressantes à faire ce matin. Ici... on a du coup l'euro-dollar qui est en tendance baissière possible, le GBP/USD qui est en range tout simplement, hop, le gold on l'a vu et le CAC 40 qui est déjà orienté en hausse, le FTSE 100 qu'on n'a pas vu, voilà, aussi orienté en hausse. Je vous dis, je préférerais attaquer la hausse ce matin sur le DAX aussi, mais tout dépendra des 12 950, hein, une zone importante. Une zone importante pour l'instant, on a la R1 qui est pas très loin au-dessus. Le CAC 40, lui, va avoir sa R1 et ses 6100 points par le haut. Et de l'autre côté, on a un FTSE 100 qui lui sort de sa zone de range, hein, pour l'instant, qui veut confirmer même au-delà de sa R1. Le GPP, pardon, USD, qui va aller tester les 1,1910. Fausse cassure ici ou pas, on va le voir bien sûr, mais il est 9 h et ça se voit sur les bougies, ça s'excite déjà un petit peu. Première bougie baissière pour l'instant, on va voir ce que ça va donner tout ça.
dans la séance qui démarre. Désormais, on a 45 likes, plus que 5 likes, pardon, pour faire le TP1 sur l'Open. Mathieu, oui, je t'avais dit bonjour, excuse-moi. Mika qui disait ok Jérémy, merci pour ta réponse. Pour du scalping ou du day trading, oui, c'est risqué effectivement. Après, je pense qu'en swing, ça se tient si le stop est adapté. Alors oui, si c'est d'un point de vue swing, c'est différent. Ton stop est forcément bien plus grand. Et du coup, tu vas pas te soucier des petites variations intraday. Même s'il y a des open qui peuvent être plus violentes, mais la plupart du temps, elles ne sont pas extrêmement violentes. Donc ça passe, ouais. Ça passe, Anthony. C'est comme certains qui vont prendre un trade le vendredi soir, tu sais, parce que c'est du swing trading. Et encore, moi, je préfère être cash même les week-ends. Mais quand on fait du vrai swing trading, on tient d'une semaine à l'autre aussi. Donc bon, faut tenir compte de ce qui peut se passer les week-ends également, etc. Anthony qui nous dit du coup, il y a des bas plus hauts sur le Nasdaq. Sur quelle unité de temps, Anthony, du coup? Allez, pour l'instant, on repasse un petit peu sous les 12 950 sur le DAX. On va voir ce que ça donne ici. On a un range possible de 100 points à peu près ce matin sur la première demi-heure, 64 sur la deuxième. On teste les 60, pardon, 6062 sur le CAC, tandis que le FTSE 100 veut continuer à la hausse. Ça veut monter un petit peu sur le GBP USD aussi. J'ai le GBP USD qui part à la hausse, possiblement en cas de cassure des 1,1910. Le gold qui est plutôt orienté baissier pour moi quand même. FTSE qui va peut-être respirer un petit peu. Mais qui a déjà fait son test des 7225. C'est le DAX hein, qui ne veut pas partir au-dessus des 12 950. Il rejette pour l'instant la zone. On va peut-être avoir un début de tendance baissière. Ça y est, ça arrive sur le M1 et sur le M5 pour une possibilité de tendance baissière, justement. Est-ce que ça va se confirmer? On a le CAC 40 qui est sur les 6062, le GBPUSD qui a du mal à sortir par le haut, le FTSE 100 qui hésite aussi à continuer, mais il aura besoin de respirer plus que ça pour moi le FTSE 100. Hein. L'euro dollar, attention, qui range pour ma part. Toujours pas d'opportunité pour moi.
pour l'instant orienté en baisse. Hein. Ici, je vous montre le DAX M5, le DAX M1, les deux orientés sur de la baisse. Le FTSE 100 qui reste haussier, le CAC baissier aussi. Alors, du GBP/USD qui travaille beaucoup les 1,19,10 hein, pour l'instant. Ouais, GBPSD qui veut se tenir. Hein. Il veut se tenir GBP sur la borne haute en fait pour l'instant. Ah, si on remonte un petit peu ici, je pourrais peut-être avoir un trading de range à faire. On va tenter ici un petit peu de trading de range sur le GBPUSD. Là, c'est sur graphique temps pour le coup. Contraire au système, on va voir comment ça se passe. Idéalement, pour aller rechercher à 18,98, quelque chose comme ça déjà. 5-6 pips de baisse. Le DAX qui va peut-être descendre sans moi pour l'instant. Allez, je vais revenir sur le chat ici, on va voir ce qui se passe dans un instant sur le GBPUSD. Ni ou alors tu nous dis Anthony. Yes, on va regarder ça si tu veux. Cochon, tu nous dis pour obtenir les données TIC, suffit-il d'avoir MT4 ouvert ou bien il faut avoir des graphiques ouverts? Les graphiques ouverts, je dirais. Ça dépend pourquoi tu veux les faire et comment tu veux les exploiter, cochon. Allez, on va aller voir Nio. Hop, 2 secondes. GBPUSD qui veut pas descendre pour l'instant, on va voir si on fait un double top ou pas. C'est vrai que le système ici m'indiquait la hausse. Je vais vous faire un petit exemple sur graphique temps, on va voir ce que ça peut donner. Protégé par la R2 pour l'instant, exploitant un peu ce trading de range en réintégration. Du coup, hop, hop, hop. Tu nous disais expiration le 29, je crois. Donc on a un peu de temps. Voilà, en rebond hein, depuis du monthly, en rebond clairement depuis du monthly, mais en trading de range hein, sur alors hop, ça corrige pour l'instant. On va voir si on a de la baisse sur le DAX avec un rejet possible des 12 950 ou si ce sera un petit peu de baisse pour mieux repartir à la baisse, un petit peu de baisse pardon pour mieux repartir à la hausse. GBPUSD qui a du mal. Il va sûrement sortir en stop ici. Allez, on finit vite NIO, mais d'un point de vue weekly trading de range. Trading de range établi ici, on va avoir les niveaux borne haute des 14 à peu près, pardon, borne basse des 14 et les 24 pour la borne haute. Donc trading de range pour l'instant, donc c'est là où ça peut bloquer. Tu as un rejet de la borne haute qui s'est fait récemment, on est en train de revenir petit à petit sur le prix médian de la zone. Allez, GBPUSD qui sort ici le stop sur graphique temps. Hop, donc c'est bel et bien le système qui avait bon ici sur la hausse. Et du coup, en attente ici d'une baisse possible sur le DAX. Ah, ça commence à être limite. Hein. Ah, ça commence à être limite. Je vais juste regarder ça 2 secondes. Hop. Ah non, je vais pas la prendre cette baisse sur le DAX. Ça commence à être limite avec les 50 ici. Donc, stand-by sur le système, toujours rien de pris. Graphique temps ici pour la réintégration avec une petite bougie de mèche. Ça n'a pas donné. On
On a le gold qui passe encore un petit peu au-dessus des 1715 pour l'instant. Idéalement, je préférais être acheteur, mais pour l'instant, il n'y a pas de configuration d'achat hein, sur le DAX. Le FTSE qui a du mal à continuer la hausse, hein, vous voyez, il y a de plus en plus de bougies ici. Si vous mettez un oscillateur, il y a très certainement beaucoup de divergences ici. Ça se voit encore mieux sur ce genre de bougie d'ailleurs. Allez, ça continue de monter ici. Le GBP/USD aussi qui monte. Ponty qui nous dit salut la famille, bienvenue à toi Ponty. Oui, si tu veux passer un week-end de prendre des positions vendredi soir, lol, moi j'évite. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Après, quand tu fais du swing trading, du coup, tu exploites des gros horizons de temps. T'es souvent obligé de passer par là, mais c'est vrai que c'est un des désavantages, on va dire, du swing trading. Ceux qui ont du mal à garder l'esprit aussi tranquille le week-end alors qu'il y a des positions en cours et qu'il peut se passer des choses le week-end. Marc qui nous dit bonjour, Jérémy, bienvenue à toi, Marc. Déjà 20 points sur le DAX à l'open, sur un sell stop, ça marche, Marc. Bien vu pour la baisse. Attention, peut-être et très certainement une baisse pour mieux remonter. En tout cas, c'est ce qu'on est en train d'avoir à l'heure actuelle. GBPUSD du coup qui part bien à la hausse, pardon. En cassure au final, comme le système ici qui l'indiquait. Donc des fois je m'amuse à prendre des trades, bien sûr. Quand je prends des trades avec le système, c'est beaucoup plus safe pour moi, vous en doutez. Des fois je m'amuse à vous prendre des positions directement sur graphique temps aussi. Vous avez été plusieurs à me faire des retours là-dessus, donc je vous fais aussi des exemples là-dessus. D'ailleurs, tiens, on va regarder l'USDJPY sur le test de sa zone support S1 et en même temps des 138,15. Un peu en rebond possible. Le gold qui veut pas descendre pour l'instant. Un peu piégeur, attention. L'euro dollar qui range. Le GBPUSD qui est donc à la hausse. Marc, tu nous dis, je profite surtout des ranges en points sur l'euro JPY. Depuis jeudi, s'il casse les 140, alors j'arrête. Tu me diras si tu veux qu'on aille voir l'euro JPY du coup. Le Yo qui nous dit, salut Jérémy, s'il te plaît, peux-tu jeter un coup d'œil sur le GBP JPY? Yes. Est-ce que je l'avais par là déjà, non? Alors ça consolide ici hein, sur le GBPJPY. Consolide un petit peu comme cela. Comme ceci, comme cela. Du coup, ouais. Ça va consolider sous forme de triangle. On va avoir un graphique horaire. Hop, qui nous marque. Bah, récemment quand même du trading orange, même à l'horizontale. Hein. Comme ça, tu vois. Hop. On est en train de casser par le haut. Mais on a la R1, on a une oblique, on a le sommet précédent. Donc une hausse qui peut être limitée pour l'instant. Et en sortie d'une zone de comme ça. On va voir si ça passe. Voilà. Borne basse qui donc était autour des 103,75. Borne haute des 160, 103, moi. Excusez-moi. 163,75 bien sûr pour la borne basse. Et 164,50 pour la borne haute. On a cassé, on fait le test de la R1 bientôt du sommet précédent. Et du coup, on n'oublie pas qu'on a l'oblique ici qui se tient bien quand même. Hein. Donc une hausse qui peut être limitée avec les 165 tout simplement sur GBPJPY. Voilà du coup pour toi le Yo, Michael ouais, qui nous disait, je suis sur une R USD MXN, ah, donc le dollar américain face au pesos mexicain, je suis en vente du coup je suis déjà à 2,12% de gain. Bravo Michael, bravo, bravo. C'est vrai que tu nous disais que tu regardais beaucoup beaucoup d'actifs pour du coup dans ta séance aller exploiter les opportunités là où elles se trouvent. Ruben qui faisait le DAX rebondit sur le nuage M5, ça marche. Je pense que tu parles du coup du nuage Ishimoku Ruben. Cyril qui nous disait tu penses que le DAX peut descendre. Je pense que le DAX pour l'instant il est piégeur. Ensuite il peut tout faire, il peut descendre ou monter. C'est là où on verra que le price action nous donne des indications le moment venu. Par exemple pour moi ce matin il n'y a pas eu d'indication pour l'instant de vente au final qui s'est concrétisée, donc j'ai annulé le scénario de vente. Et pour l'instant du coup on est en train de revenir justement sur le test sommet précédent R1 et on va peut-être voir pour décaler à la hausse. Donc c'est peut-être justement un petit mouvement de baisse ici pour mieux partir à la hausse sur la séance.
Christopher qui nous dit bonjour, bienvenue à toi Christopher, j'espère que tu vas bien. Ça faisait un moment je crois, hein. En tout cas j'espère que tout roule. Maël qui nous dit pardon, j'ai pas suivi par rapport au signal que tu as dit, je peux vendre le GBP. Alors Maël, il n'y a pas de signaux de trading ou de conseils en investissement dans ces séances, hein. Je vous ai fait une petite démonstration sur graphique temps avec une bougie en Roger. Même un doji, hein. C'était cette bougie-là. Pour la réintégration, mais c'est pas des signaux de trading ou des conseils en investissement, c'est des démonstrations à titre éducatif et pédagogique. Ça, c'était sur graphique temps. Quand je prends des séances ici, des séances, des opportunités ici sur mon système, c'est encore autre chose parce que bien sûr, c'est un système qui a été développé pour permettre de faire des choses plus intéressantes. Mais là, ce matin, graphique temps, petite mèche ici pour réintégration possible, ça n'a pas donné. Mais c'est pas un signal, c'est pas parce que si tu veux, moi je prends le trade ici sur compte de démonstration d'ailleurs, en plus sur le MT5, que tu dois vendre le GBPUSD. Dis-moi si c'est bien compris pour toi, Maël, parce que c'est super important. Le Yo qui dit du coup, je vois la formation d'un double top sur la paire Euro JPY en daily. On va aller voir ça si tu veux. On va aller voir ça. Une paire assez intéressante, je trouve, l'Euro JPY quand je faisais pas mal de Forex. Je l'avais aussi souvent sous les yeux. Il y a le double top, ouais. Il y a le double top ici. Cassure d'ailleurs par le bas. Tentative de maintenir la cassure. On est en plein test ici, mais c'est soit du coup un rejet, soit une réintégration. Pour l'instant, ça va plus vers la réintégration. Donc attention à du trading de range ici. Hein. Comme ça en fait. Hop. Tu vois. Christopher qui disait GBPUSD 63$. Top. Top, 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 Christopher, bravo. Michael, tu disais le DAX repart à la hausse. L'euro dollar monte, nous disait Cyril. Alors, l'euro dollar, pour moi, il est en range quand même. Ouais. Il monte, mais il est en range piégeur, attention. GBPUSD qui était bien dans sa tendance haussière face au 1,1910. Je vous ai fait un petit peu ici. J'ai préféré prendre l'exemple graphique temps pour vous montrer des choses sur graphique temps. Mais le système ici qui donnait un achat, qui était plutôt pas mal et qui faisait pour l'instant 20 pips, justement. J'ai le M1 du DAX qui est en tendance haussière déjà. Le M5 est en range pour l'instant, attention, range piégeur. Hachi qui nous dit bonjour. Les amis, coucou Jérémy, bienvenue à toi Hachi, j'espère que tu vas bien. Cochon qui nous dit du coup j'utilise des petites tailles de briques Renko, c'est pour avoir un maximum de détails lorsque je backtest. Ça marche. Mais alors attention. Du coup, dès que tu vas fermer ta plateforme, tu vas perdre les données éthiques. Donc en fait, il faut que tu prennes sinon des photos si tu veux de tes séances avec données éthiques. Et plus tu vas sur des tailles plus petites, attention au cochon, et plus tu as de bruit quand même de marché. Même si les Renko LTR ici hybrides nettoient beaucoup de bruit, la logique reste quand même là. Si tu vas vraiment sur du tout petit, déjà le spread aura une proportion trop grande par rapport à la taille de ta bougie. Et en plus, il y aura quand même des faucilles, plus de faucilles en fait. Anthony qui nous dit le Nasdaq continue le rallye. Alors attendez, hop, le dos et le Nasdaq ici. Voilà, ça monte hein, sur le dos, ça monte sur le Nasdaq. Aussi ici, donc ça pousse pour l'instant. Je pense qu'on va même avoir voilà, le foutissant qui continue pardon, dans sa tendance haussière, mais malheureusement, il était déjà haut. Hein, il a démarré tôt ce matin. Ça m'intéresse pas d'acheter un marché haut. Je veux acheter un marché. Du coup, qui a une tendance haussière, mais je veux l'acheter à un prix bas. C'est comme ça qu'on obtient un placement de stop qui est plus sécurisé, et c'est aussi comme ça qu'on peut se permettre d'aller chercher plus loin, du coup, dans les ratios, dans les targets en fait. CAC 40 qui repart à la hausse aussi. Ça hésite hein, pour l'instant un petit peu à continuer la hausse. Mickaël qui dit, du coup, je ne vois pas de hausse sur le DAX perso suite à la grosse hausse qu'on a eu vendredi. Au niveau technique, il est surévalué sans compter le fait qu'on approche des 13 000 points. Je vois du range. Alors, hop, on va remettre le contexte en graphique horaire.
En fait, les 13 000 sont là, mais c'est pardon, vraiment les 13 050 pour moi qui sont plus intéressants que les 13 000 et les 12 950 qui étaient un gros gros niveau. On est en train de casser le tout. Donc on est sur de la tendance haussière. Donc moi je t'avoue, je préférais de la hausse quand même. Et quand on regarde ici, tu as les 13 000 qui sont par là sur ce test-là, mais tu vois, tu as un peu que ce test-là. Donc là, tu avais plus de tests en fait et tu avais même une réintégration. C'est pour ça que j'ai favorisé 12 950. Là, tu as un niveau intermédiaire très intéressant, 13 050, mais on a encore de quoi aller. Aller chercher, mais ce que je disais demeure encore, hein, c'est-à-dire que dans cette zone de résistance et notamment 12 950, on a du rejet possible jusqu'à près du contrat. Pour l'instant, c'est juste une mèche ici en graphique horaire, et oui, bien sûr, ça fait des petites bougies, des petites clôtures au-dessus pour l'instant et encore juste là. Donc, c'est là où ça va se décider, hein. Soit on fait comme ça, donc hop, comme ceci, soit on réintègre un petit peu même cette zone-là et ça piège aussi pas mal. En fait, le niveau aimant pour moi, c'est vraiment les 12 950. Donc, cassure par le bas, on a pour l'instant une cassure par le haut, marché très piégeur, attention pour l'instant. CAC 40 qui se tient aussi, mais qui est face à sa résistance R pour l'instant. Le gold qui a bel et bien repassé au-dessus des 1715 hein, pour l'instant. Le GBPUSD qui continue dans sa tendance haussière. Ça ferait du 23 pips de hausse hein, avec le système ici. On hésite sur le DAX. On hésite pas mal sur le DAX. Maël qui nous dit DAX, merci, je t'en prie. Maël Ruben qui nous dit DAX qui part. KM qui nous disait, salut Admiral, pourquoi toutes les cryptos, etc., montent malgré du coup, les déclarations de la Fed? Alors, les cryptos ont tendance à suivre les indices boursiers, mais c'est ce que je dis toujours, hein, c'est-à-dire que c'est des phénomènes de corrélation qui sont vivants. C'est-à-dire que des fois c'est flagrant, c'est ultra bien respecté, des fois c'est beaucoup moins respecté, ça fluctue. C'est pour ça qu'il faut regarder aussi et évaluer en fait. Si tu veux utiliser ces corrélations pour tes prises de décision dans ton trading, il faut pouvoir évaluer de manière dynamique le comportement à l'instant T où tu prends ta décision justement selon ton horizon de temps de ce qui se passe entre ton actif que tu vas trader et l'actif que tu veux suivre, un petit peu le leader versus le suiveur, tu vois ce que je veux dire? Maël qui nous dit du coup oui j'ai bien compris la différence avec l'assistant, mon conjoint. Alors attends, merci. J'ai bien compris la différence avec l'assistant. Mon conjoint a le VIP, du coup c'est beaucoup plus clair. Ah, ça marche, Maël. Top, top. Ah oui, dans le VIP, oui, il y a beaucoup plus de choses aussi et les setups sont intégrés dedans, donc c'est pratique. Laurent qui nous dit DAX pris à la hausse, ça marche, Laurent. Attention à l'agressivité du coup, Laurent ici. Hein. Pour l'instant, ça reste encore assez risqué la hausse sur le DAX. Michael qui nous dit USDJPY repart à la baisse, pris position. USDJPY, tac. Ouais, donc incapable de tenir, c'est en train de breaker pour l'instant zone support S1 et notamment les 138,15. Cochon qui nous dit oui, je fais des captures d'écran afin de du coup des séances. Parfait, parfait. Sinon, il me semble que qu'on peut enregistrer les ticks car une chose est sûre, c'est qu'on peut les importer. Yes, oui, tu peux les exporter. Nous, on les enregistre, mais on a une façon de faire aussi et on les enregistre depuis septembre 2019 pour faire notre backtest justement et le compléter à chaque fois, bien évidemment, semaine après semaine. Sur les actifs qui nous intéressent. On a mis quand même pas mal d'actifs là-dessus pour avoir pas mal de tests à faire possiblement si on veut agrandir le nombre d'actifs. Mais bon, vous connaissez mes préférences hein, sur les actifs boursiers, bien sûr, pour trader dans ces séances le matin, l'après-midi, le soir. C'est quelque chose qu'on pense aussi peut-être mettre à disposition des LTR, ces données TIC, pour qu'ils puissent regarder ça aussi dans le passé, même si la procédure sur MT4 est quand même complexe. Hein. Anthony qui nous dit peu de crash, pardon, pas de crash à l'horizon. Non, pas pour l'instant en tout cas. William, ce qu'il nous disait aussi, vous avez déjà vu l'or. Yes, on est passé sur l'or, mais si tu veux, je te fais un petit retour. Il est piégeur aussi ce gold à l'heure actuelle en fonction d'un niveau clé, étant celui des 1715 dollars l'once d'or. La tentative de cassure qui commence encore de plus en plus à se confirmer, hein, puisqu'on a tenté la réintégration, en fin de compte, on repart par le haut. Mais vous voyez qu'on casse des creux et qu'on casse des sommets et que c'est piégeur un petit peu tout ça. Il va peut-être y avoir un petit achat ici, rapide à faire.
petit peu risqué quand même, comme je vous le disais, cette hausse pour l'instant. Ça ne veut pas partir pour l'instant, au contraire, ça retrace profondément. Bon, sur le gold, on est déjà sur les 1720 et le FTSE qui veut pas trop respirer hein, pour l'instant. Ouais, ça va sûrement sortir en stop ici aussi. C'était qui tout double, hein. Soit ça rebondissait directement pour le sommet précédent 16 points, soit ça revient sur le niveau aimant des 12950. Allez, ça veut pas pour l'instant. Sur le DAX, un stop loss. De toute façon, toujours très indécis. Hein. Ici. Sur le système, on est dans du range. On est sur un départ de tendance baissière même sur le DAX, donc ça piège pour le moment. Laurent qui dit du coup, DAX trade perdu, encore trop agressif. Yes. C'est pour ça que je te disais ça. Hein. Ici, moi-même, j'ai pris un trade un peu plus agressif. Pour voir si ça pouvait passer, mais l'agressivité qui paye jamais, hein, j'ai envie de dire quasiment, sur le long terme en tout cas. Christopher qui nous dit du coup, oui, ça va bien pour moi, le trading est devenu mon job. Ah, top, Christopher. Parfait, parfait, ça fait plaisir. Laurent qui nous dit du coup, le DAX va peut-être combler le gap. Du coup, quel gap tu vois ici sur le DAX? Mickaël, tu sais jamais, apparemment, tu te limites à l'unité de temps H1 pour regarder un actif. Je pense qu'il est plus pertinent d'élargir, même si on fait de l'intraday. Alors, si tu veux, Mickaël, ce que je fais, c'est que dans ces séances-là, je vous montre différentes perspectives pour différents profils de traders aussi, mais aussi pour avoir une image complète. C'est-à-dire que le graphique daily te donne un contexte, par exemple, pour l'investisseur, le swing trader. Ensuite, on descend sur du graphique horaire et c'est sur ce graphique horaire où je vous donne le point marché pour la journée. Pourquoi? Bah parce que si j'allais sur du trop petit ou sur du trop grand, la pertinence de mon analyse pour vous, pour le reste de la journée, même pour le contexte, enfin, c'est voilà, vraiment pour moi, le contexte vraiment qui peut être présent courant de la journée, ça va être plus sur du graphique horaire pour trouver un certain équilibre. Donc, c'est pour ça que je vous parle souvent du graphique horaire, puisque bah, on ne passe qu'une heure hein, dans cette séance de trading vraiment ensemble. Mais le reste de la journée, par exemple, vous êtes, en tout cas, vous savez ce que moi je vois sur le graphique horaire et ce qui est capable de se dérouler courant de la journée. Donc, c'est pour ça que ce graphique horaire, je le trouve intéressant pour ce format-là aussi. Après, bien évidemment, hein, tout dépend de la stratégie que tu veux utiliser. Il y en a qui vont regarder 5 unités de temps. Je trouve quand même que regarder trop d'unités de temps bloque, c'est quand même bloquant. C'est quand même trop d'analyse tue l'analyse, hein, tout simplement. Il faut rester simple aussi. Mais tout est possible en trading. Donc après, là, c'est vraiment, si tu veux, pour vous donner un contexte courant de la journée. Et du coup, je garde ce contexte-là pour le début de séance aussi, fonction d'un contexte plus grand. Et ensuite, comme tu dis, on descend sur de l'intraday, du day trading un peu actif. Par exemple, sur DAX, ça montre clairement en H4 qu'on a un sommet, qu'on est au sommet d'un range. Après, ça dépend aussi parce que tu es dans une approche plus discrétionnaire. Et dans ton approche plus discrétionnaire, Michael, je crois qu'on en avait parlé ensemble justement, c'est normal que tu puisses aller aussi juger de différentes unités de temps comme ça. Mais quand tu es dans une approche plus systématique, je suis plus partisan d'aller regarder toujours les mêmes unités de temps pour des prises de décision qui vont être toujours du coup. Mais de toute façon, on regarde, c'est simple, hein. C'est là où tu retrouves aussi l'intérêt d'une analyse systématique avec plusieurs unités de temps. C'est que la borne haute, pour moi, elle est toujours là, c'est toujours celle des 12950. C'est juste que tu pouvais avoir un potentiel il y avait quoi? Il y avait un potentiel, je te disais, de 15 points de hausse, qui 15 points, c'est rien par rapport, du coup, tu vois, avec les amplitudes dont on parle sur le graphique H4. Mais qu'on regarde le graphique H4 ou qu'on regarde le graphique daily, pour moi, on est sur une borne haute des 12950 points. Pas des 13 000 points, mais des 12 950 points. Mais de toute façon, on a des zones, on sait que ces niveaux-là, c'est des zones. On a l'ARA en plus, par exemple, pour ceux qui utilisent les points pivots. Et on va voir si on n'a pas du rebond. Si ça rebondit, je vous avoue qu'au-delà de ce niveau de l'ARA, je serais plutôt haussier.
Pour l'instant, on a une amplitude de 92 points. Je vous parlais d'une amplitude possible de mouvement de 100 points, je crois, hein. 107 points. Donc on va voir si on peut avoir un peu plus. C'est dommage, c'est sur le CAC que j'ai pas été voir, mais il y avait du rebond pour l'instant sur le CAC haussier ici. On est à 1 mm d'avoir fait le TP1 sur 6084 ici. GBPUSD toujours à la hausse. Attention à range piégeur sur le gold, l'euro dollar aussi qui range. Ah, j'ai pas vu venir ce CAC 40 ici, on était sur le chat. Laurent qui disait sur LTR hybride session pour le gap d'axe. Ah, ça marche. Après, ça dépend des horaires que tu mets. Du coup, si tu mets comme moi, du coup, 1 heure avant l'open et l'heure de clôture que tu mets aussi. Parce que si tu veux jouer par exemple les comblements de gap que tu peux trouver sur le cash, c'est par exemple derrière, tu vas avoir la clôture que tu peux mettre à 18h30 heure de plateforme, ce qui sera du coup 17h30 heure de Paris. Il y en a qui vont utiliser ce genre de choses aussi pour jouer les scénarios comblement de gap. Julien qui dit bonjour à tous, bienvenue à toi Julien. Alors j'ai besoin d'aide pour mettre en place un robot sur MT5. Pose-moi tes questions, Julien, n'hésite pas. David qui nous dit du coup j'ai une divergence baissière M15 sur le gold. Alors le gold, hop. En M15. Et voilà, le TP qui aurait été touché sur le CAC 40. Ça commence à rebondir sur le DAX. J'ai une tendance aussi à M5 qui commence à revenir sur le DAX. Donc on va voir s'il y a des choses intéressantes à faire. Mais ici, bah, étant donné les sommets rapprochés hein, ici sur le gold, ça ne m'étonne pas. Par contre, il faut faire attention avec ces divergences-là. Quand tu es dans de la belle tendance, tu peux toujours être face à des divergences. Et malheureusement, tu te retrouves des fois à trader justement la contre-tendance. Voilà le CAC qui aurait porté ses fruits ici. C'est dommage que je ne l'ai pas vu arriver. Il porte ses fruits sur les 61,8 de Fibo, le sommet précédent. Les 100%, attention aux 6097. On a un DAX M5 qui repart à la hausse, mais qui travaille déjà son sommet précédent. On va peut-être y avoir des choses à faire, mais le CAC 40, regardez, il se dirige dans la zone R1, 6100 points, quand même, attention aussi. Là, ce qui était bien, c'est qu'on avait un niveau de prix qui était autour des 6078, donc une certaine distance avant l'obstacle clé. Cochon qui disait, le trading est-il vraiment un jeu à somme nulle? Si j'achète une tendance haussière, je rachète la position de quelqu'un qui solde la sienne, on peut alors tous les deux gagner de l'argent. Alors si tu veux, c'est pas juste une personne face à une autre. Hein. C'est quand, imagine, tu prends un lot, ça se trouve, il y a, je sais pas, deux personnes, pour faire simple, en face de toi, qui ont pris la position opposée à 0,5 lot. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un jeu à somme nulle dans le sens, oui, où tu as une contrepartie quelque part. Une contrepartie d'un trader qui va prendre le trade à l'opposé de toi et qui va rendre possible l'achat pour toi de ta position, du nombre de lots que tu as besoin, parce que de l'autre côté, il y a le même nombre de lots ou le nombre de lots divisé entre plusieurs traders qui va être exécuté du coup à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Laurent qui disait à partir de 8h, ça marche, et heure de fin, du coup, Laurent, t'as mis quoi? Parce que c'est ça qui te crée aussi ton gap, hein, c'est l'heure de fin, l'heure de début, bien sûr. Michael qui faisait du coup non, dire que la bourse est un jeu à somme nulle, c'est une affirmation trop basique. Parfois, acheteurs et vendeurs peuvent gagner selon le scénario. Alors oui, vu comme ça, c'est sûr, c'est sûr. Tout dépend du stop loss et du TP. Mais c'est ce jeu de contrepartie, il y a toujours quelqu'un qui prend pour l'autre en fait. Et quand tu gagnes de l'argent, ça veut dire que quelqu'un a perdu de l'argent aussi. Mais bien sûr, hein, les vendeurs comme les acheteurs peuvent gagner aussi. Tout dépend des TP et des stop loss mis en place. Julien qui nous dit, j'ai besoin de maîtriser comment le paramétrer et le tester avant de le lancer. Merci. Alors du coup, je vais t'envoyer sur une vidéo. On avait fait... Normalement, dans la vidéo backtesting, je t'invite à regarder ça. Alors, il y a aussi le webinaire en dessous, donc je te donne carrément le lien de cette page-là. Tu verras, je montre sur MT5 comment, du coup, tu peux lancer aussi un. Voilà, ça part à la hausse ici. Donc, pareil, TP2 qui aurait été atteint sur le CAC 40. Et du coup, de la hausse sur le DAX pour l'instant, en attendant de voir s'il y a d'autres choses à faire sur le DAX. Mais là, on commence, si vous voulez, à être plus dans du conservateur, pardon. Tout à l'heure, GBPUSD, il était bel et bien haussier, donc c'était graphique temps qui est différent. Le CAC 40 ici qui était très joli. Le DAX qui devient seulement maintenant, parce que tout à l'heure, je l'ai pris alors que le graphique était en gris, donc c'était bien plus agressif. Mais là, ça commence à devenir, si vous voulez, à rejoindre des conditions plus saines et plus conservatrices.
Donc intéressant, on va voir ce qui se passe dans la deuxième demi-heure de notre séance ici. On est à 65 likes, n'hésitez pas à liker et à partager, ça fait vraiment et littéralement vivre la chaîne YouTube. Merci à tous ceux en tout cas qui ont pris le temps de déjà partager et liker cette vidéo ce matin. Ça fait toujours plaisir de savoir que le contenu vous plaît et on peut être live tous les matins de 8h30 à 10h ensemble. Julien qui nous dit merci, je t'en prie Julien, je t'en prie, je t'en prie. Et si tu as d'autres questions, on ira voir directement aussi sur la plateforme. Mais tout dépend aussi de l'assistant, bien sûr, que tu as à tester. Si tu l'as fait développer toi-même, si tu l'as trouvé sur Internet ou si tu l'as acheté, ça dépend aussi comment ça se présente, puisque tous les paramètres internes seront différents. Allez, ça pousse à la hausse désormais, le marché qui a cherché, qui a trouvé sa voie. Comme je vous le disais, en fait, un petit peu de baisse pour mieux trouver la hausse quelque part. Après, faut-il trouver, bien sûr, les setups qui correspondent aussi. Et qui sont là. Le FTSE déjà sur le test de la résistance 7250, mais le FTSE a été quasi en ligne droite, hein. Quasi en ligne droite ici, sans se retourner. Il s'est retourné, mais très 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 timide sur le retracement. Le gold qui range, le CAC 40 du coup qui est bel et bien aussi déjà dans une zone 100 et 127 de Fibo en extension, attention. Julien qui nous dit que je souhaite un simple robot gratuit sur le croisement moyenne mobile avec achat et vente de croisement de celle-ci. Alors, quand tu dis je souhaite, ça veut dire que tu veux faire un développement ou tu veux trouver un robot comme ça sur Internet, Julien? Tu souhaites tester peut-être, tu voulais dire. Du coup, tu ne devrais pas avoir beaucoup de paramètres à changer, et, enfin, en tout cas, à paramétrer, mais attention à ne pas tomber dans la suroptimisation, surtout avec des moyennes mobiles, parce que du coup pour obtenir des trouver, tu souhaites trouver. Alors tu peux regarder sur le site MQL5, ça te propose des indicateurs gratuits, des indicateurs payants d'ailleurs, et des robots aussi gratuits et payants. Mais je t'invite à faire attention, bien sûr, parce que les croisements de moyennes mobiles interviennent toujours en retard par rapport au comportement du prix. Surtout que tu prends deux moyennes différentes, même si c'est des moyennes courtes périodes, c'est quand même deux moyennes différentes qui doivent se croiser l'une l'autre, l'une passer au-dessus de l'autre, l'autre au-dessous de l'autre. Si tu veux, t'es encore, pour moi, deux étapes après le comportement directement du prix et ce qui est possible de faire avec le comportement du prix directement, c'est-à-dire la bougie et les bougies qui se forment. Tu vois ce que je veux dire? Je te mets juste en garde par rapport à ça, parce que c'est pour te faire gagner du temps aussi dans l'évolution dans ton trading. Cochon qui me disait, ce que je voulais dire, c'est que peut-être long et avoir une contrepartie, quelqu'un qui ferme sa position long. Que pour être. Alors. Je peux être long et avoir une pour contrepartie, quelqu'un qui ferme sa position en long. Lui, quand en fait il va fermer sa position, il y a quelqu'un qui va prendre la vente. Mais si tu veux, lui, il ne va pas correspondre avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un autre trader qui aura une autre contrepartie. Mais toi, quand tu vas prendre ta position long, ça veut dire que quelqu'un en face vend du coup l'équivalent de sa position ou une partie de sa position. Parce que pareil, hein, le jeu des sorties partielles intervient à ce moment-là, etc. Tu vois ce que je veux dire, Cochon? Est-ce que c'est plus clair pour toi? Donc de la hausse désormais sur les indices. Le marché est un peu piégeur. Il a fait penser à de la baisse pour mieux partir sur de la hausse. Et pour l'instant, on est dans l'attente ici de voir la poursuite. J'ai le GBPUSD qui est bel et bien aussi ici. Il y avait un joli trade à prendre sur le DAX ici en retracement. Fibonacci automatique, histogramme vert au-dessus du prix de cette ligne noire ici. Et qui serait en stop suiveur, carrément. GBPUSD aussi, hein. Qui serait dans un très beau mouvement, on aurait 17 pips de stop sur quoi qu'il arrive. Bon, pas toujours évident de vous faire des exemples sur graphique temps en plus de prendre les setups sur le système. La plupart du temps je prends sur le système, mais du coup c'est vrai que j'ai eu des retours pour faire un peu plus sur graphique temps aussi, donc j'essaye de varier les plaisirs, on va dire.
Julien qui disait, du coup, même si c'est moins précis, ça donne de bons résultats, je trouve, mais je ne suis pas expert comme vous. Eh bien, le truc, c'est que quand tu fais du backtest avec des robots de trading, tu peux toujours tomber sur des bons résultats. Par contre, la grande question, c'est est-ce que du coup, ces résultats seront à même de se retrouver à l'avenir? Puisque tu backtest pour savoir si c'est gagnant, pour que à l'avenir, bien sûr, ce soit le plus proche possible du coup de ce genre de choses et que ce soit bien sûr gagnant. Quand tu backtest avec des robots de trading et ce genre d'outils-là, déjà, si tu fais pas d'optimisation des paramètres, c'est une bonne chose. Par contre, il faut savoir, et d'après ma propre expérience, que pour être aussi dynamique et se baser sur des choses qui marchent à travers le temps, il ne suffit pas de regarder, par exemple, de 6 mois dans le passé, tiens, cette stratégie-là, elle a marché. Surtout si elle est basée sur un indicateur technique. Parce qu'en fait, tous les indicateurs techniques vont marcher à un moment donné. C'est pour ça qu'ils existent. C'est pour ça que, du coup, bien, ils ont été énormément utilisés à une époque et que, du coup, leur comportement, maintenant, on peut les utiliser de manière différente parce que, du coup, comment la masse aussi, du coup, sur les marchés, utiliser un outil, un indicateur et en prendre information, enfin, tirer information de l'outil, ça va aussi changer les choses dans le temps. C'est-à-dire qu'à une époque, les traders qui utilisaient le MACD, ils ont fait beaucoup d'argent. Par exemple, à l'heure actuelle, ils en font nettement moins qu'à l'époque, parce que le comportement des acteurs aussi a changé par rapport à cet outil-là. Mais le truc, c'est que tous les indicateurs techniques, à un moment donné, bien sûr, donnent un signal ou des signaux de trading qui sont bons, bien évidemment. Par contre, c'est pour faire la dissociation et pour passer au travers des phases de marché, des périodes qui nous attendent, avec une volatilité qui monte, une volatilité qui descend, un comportement de marché aussi, qui va faire de la tendance, du range, etc. Il va falloir se baser sur quelque chose qui est un peu plus tout-terrain pour moi. Parce que typiquement, quand tu réfléchis, hein, aux moyennes mobiles, c'est un indicateur de tendance. C'est pas censé. Alors après, tu as des techniques, hein, pour du coup trouver aussi, mais c'est beaucoup plus discrétionnaire, je trouve. C'est pas censé t'indiquer vraiment, par exemple, le trading de range le plus tôt possible. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est un indicateur qui est conçu pour la tendance, pas pour le trading de range. Quand tu vois des oscillateurs aussi comme le RSI qui sont bornés, etc. Ils sont plus à même d'être intéressants dans du trading de range que dans du trading en tendance, parce que sinon tu seras toujours sur justement de la divergence contre la tendance et tu seras toujours en mode je vais essayer d'acheter, tu vois, le point bas dans un marché qui baisse, en mode genre je vais essayer de faire la contre-tendance au final quelque part. Donc tu vois, c'est en fait les indicateurs servent à vraiment indiquer des choses, mais là où tu as le plus, selon mon expérience, et c'est pour ça que je t'en parle, hein, pour que tu ailles le plus vite possible dans ta courbe d'apprentissage aussi, c'est vraiment le comportement du prix directement, qui lui va te donner des informations à l'instant T et qui sera à même de te donner l'information de ce qui se passe sur le marché, c'est-à-dire confrontation acheteur-vendeur qui a la main à l'heure actuelle et du coup qu'est-ce qui peut se passer sur les prochaines bougies par exemple, tu vois. Donc ça continue de monter sur le DAX, tendance haussière sur le système désormais, le M1 pas encore, mais voilà, le CAC qui était joli à la hausse, qui est désormais sur son extension 127 de Fibo, le Gold qui fait absolument rien, le FTSE 100 qui est trop 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 élancé et qui n'a pas donné d'opportunité intéressante, je trouve, ce matin. Emmanuel, tu nous dis, Jérémy, la rentrée que tu parles dans le webinaire, à quoi de particulier? Bah si tu veux, là on est en trading d'été. On est en trading d'été et tous les participants et la volatilité, etc. va être intéressante à observer et à trader à la rentrée. C'est comme quand tu prends le début de l'année à chaque fois, le mois de janvier, le mois de février. C'est des périodes de trading très intéressantes parce que tu démarres l'année. Là, tu démarres la rentrée après les vacances, après que les pros soient aussi partis en vacances au mois d'août. Boum, on attaque le mois de septembre. Tout reste à faire selon les profils de chacun, bien sûr, pour faire la perf de l'année. Donc, tu vas avoir de la volatilité, tu vas avoir des séances super intéressantes. Et du coup, il faut bien se préparer à ça et c'est l'objet du webinaire de demain soir. Mickaël qui nous dit du coup, oui, tout ce qui est RSI, MACD n'est plus évident à utiliser aujourd'hui. On n'est plus dans les années 70, malheureusement. Exactement, on est bien d'accord. Cochon qui nous dit pour reprendre l'exemple de mon message précédent, tu nous disais celui qui a qui alors celui à qui j'achète va avoir un manque à gagner s'il ferme sa position acheteuse, mais il ne va pas perdre de l'argent pour autant.
Mais en fait, faut pas voir ça comme ça, cochon, parce que c'est pas quelqu'un de particulier en face de toi. C'est juste une liquidité qui se cherche, enfin une contrepartie qui se cherche. Ça veut dire que toi, quand tu sors de ta position à l'achat, ça va peut-être être la moitié d'une position de quelqu'un qui va commencer à vendre, alors que du coup, il y a quelqu'un d'autre aussi qui va vendre, mais l'autre va vendre en swing trading, l'autre va vendre en scalping, et ils vont pas avoir les mêmes targets. Le scalper va peut-être avoir son trade perdant, alors que le swing trader va peut-être avoir son trade gagnant. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas t'arrêter à juste une personne qui prend le trade en face de toi, en fait. Parce que si c'était à chaque fois, il faut trouver la personne identique seulement comme ça, il y aurait des soucis au bout d'un moment de liquidité. Là, c'est vraiment du partage et du nombre de lots qui va se chercher en contrepartie de manière automatique. Tu vois ce que je veux dire? Mais la personne qui va prendre ta contrepartie, même si toi tu as gagné ton trade, lui va aussi pouvoir gagner son trade, par exemple. Ça voudra dire qu'il y en a d'autres derrière qui ont clôturé leur position, peut-être en perte aussi. Mais ta contrepartie n'est pas toujours forcément en perte. Ça dépend, comme on le disait avec Mickaël tout à l'heure, du stop où il est placé, du TP où il est placé. C'est ça qui détermine les gains et les pertes. Florian qui disait cochon, le vrai problème c'est quand les gens veulent vendre et récupérer des sous. Ouais, bah quand il y a trop de vendeurs, hein. Quand il y a tout le monde qui vend, au bout d'un moment ça peut poser problème. Il faut qu'il y ait des acheteurs en face. Hein. Julien qui nous dit ok, merci. Par contre, l'analyse des bougies ne me parle pas beaucoup. Je manque sûrement encore d'expérience. Pas de soucis, Julien, t'es au bon endroit puisque la chaîne YouTube regorge de... Alors attends, il y a même l'article. Je vais te trouver ça. Hop. Parce que sur la chaîne YouTube, tu tapes par exemple chandelier japonais, tu as la vidéo et normalement tu as voilà, trader, hop ici et tu as la. Voilà, donc je t'envoie la vidéo dans le descriptif. Tu vois que tu retrouves aussi ici le lien de l'article complet, mais au moins tu pourras regarder les deux et tu vas en apprendre un petit peu plus sur ce que c'est justement que de regarder directement le price action sur les bougies en temps pour le coup. Ce que moi j'utilise, c'est carrément des bougies en mouvement, mais ça c'est encore autre chose. Tu peux déjà regarder ce que ça donne sur graphique temps avec la vidéo ici et l'article correspondant. Léo qui nous dit bonjour, vous pensez quoi du scalping? Bienvenue à toi Léo. Je pense que c'est pas réservé aux débutants. Je pense que c'est bah, une des techniques de trading qui est possible d'utiliser. Il y a des traders qui sont gagnants, il y a beaucoup de traders par contre qui sont perdants, mais ça c'est peu importe les styles, hein. Tu sais qu'il y a 90% à peu près de traders perdants dans le monde du trading pour les particuliers sur CFD par exemple. Mais c'est une approche qui nécessite, si tu veux, le plus d'expérience, le plus de contrôle de soi, qui est assez éprouvante parce que c'est... Bah, t'as du stress, hein. Chaque trade que tu prends, c'est un risque qui doit être contrôlé. Donc plus tu prends de trades parce que tu es un scalper et que tu dois prendre pas mal de trades, et du coup plus bah, tu peux être stressé, tu peux être fatigué, tu peux avoir tes nerfs qui sont mis de plus en plus à l'épreuve parce que tu passes trop de temps derrière les écrans. Enfin tu vois, il y a tout. Tu peux faire du scalping pendant 1 heure, il y en a qui font du scalping tout au long de la journée. Il y a de tout. Il y a de tout. Après le scalper pur et dur, il va aller chercher un petit ratio. Il est prêt par exemple à risquer 10-15 points pour en faire que 5. Donc ça c'est un ratio qui est très petit par contre, que je n'aime pas trop. Je préfère quand même un ratio un peu plus grand, même si mon TP1 moi est en dessous du ratio 1 pour 1. Parce que je tente justement de prendre le meilleur du scalper, le meilleur du day trader, etc. pour faire du mix en fait. Pour mixer, pourquoi? Parce que les marchés sont dynamiques, des fois ça court, des fois ça court pas. Donc je veux pas être frustré parce que j'ai pris que 5 points alors que derrière il y avait 35 points à prendre par exemple, tu vois. Le scalper ça peut être aussi un de ses soucis. Par exemple il va se dire bon ben je vais prendre 5 points, boum je sors direct à chaque fois, peu importe ce qui se passe derrière. Mais c'est vrai que derrière, bah, il a peut-être 35 points, 45 points qui sautent d'un coup et qui ne peut pas en profiter. Donc, tu vois, il y a des avantages et des inconvénients dans chaque approche, de toute façon. Que ce soit le scalping, le day trading, le swing trading. Moi, dans mon approche, j'essaie de tirer un maximum avantage de plusieurs choses, justement, de ces méthodes-là, de ces approches-là, on va dire. Mais le scalping, voilà, c'est pas pour débutants, à mon sens, bien sûr. Après, il y en a pour tout le monde, bien sûr. Mais voilà, c'est éprouvant, ça demande vraiment le plus d'expérience. On a l'impression comme ça que c'est ce qu'il y a de plus facile, que c'est ce qu'il y a de mieux. Mais c'est, je trouve, une fausse impression parce que c'est pas parce que oui, on va aller chercher 5 points et qu'on va atteindre souvent, par exemple, je prends un exemple basique, hein, de 5 points, qu'on va les atteindre souvent, qu'on a. En fait, l'être humain va avoir l'impression de gagner beaucoup. Enfin, de gagner tout de suite, en fait, c'est ça, c'est l'impression de gagner tout de suite, et ensuite l'idée c'est de reprendre encore plein, 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 plein de trades pour gagner beaucoup. Mais du coup, faut savoir que par exemple, si vous faites ce genre de ratio-là, bah, il vous faudra plusieurs trades, pas mal de trades pour revenir sur un seul trade perdant, ce qui peut être compliqué aussi à vivre et à encaisser quand vous faites du scalping.
Voilà un Mortour Léo, hein, concrètement, et à chaud ici. À froid, je veux dire, sur le scalping. Cochon qui nous est d'accord, merci pour ta revanche en prix, Cochon. Et Anthony qui nous est, oulala, Nasdaq pousse bien, les big tech vont grimper. Donc, ouais, ça suit, hein, ça suit de toute façon les Européens ici. Attention, on est juste sur les 12 150 déjà sur le Nasdaq, 31 500 sur le Dow. Le FTSE qui monte bien, le DAX qui monte bien aussi, mais qui m'a de manière ici cohérente, m'a pas encore donné d'opportunité. Ça va peut-être pas tarder, mais il est déjà 9 h 50, donc ça sera peut-être plus tard dans la matinée en tout cas. Je vous montre ici tendance haussière sur le DAX M5, pas encore sur le M1. Le CAC qui a fait très joliment ici le test de la zone 127,2 de 161. Donc c'était le plus beau trade à prendre ce matin avec du GBP/USD aussi ici. Donc j'essaie de cumuler hein, même les deux pour vous montrer bien sûr ce que le système est capable de faire. Mais le gold ici, il n'y avait rien à faire pour moi. Le FTSE 100 était trop élancé. Le DAX non plus. J'ai pris un trade très risqué tout à l'heure. Et bah, comme on le disait tout à l'heure aussi avec Laurent, bah, voilà, l'agressivité, ça paye jamais bien du coup longtemps. Donc il faut rester discipliné, patient et attendre que ça vienne, que le marché en fait vienne rencontrer les conditions qu'on connaît et qu'on sait être favorable pour prendre un trade TP1, etc. Avec le stop placé là, TP2, stop suiveur, etc. Christopher qui disait du coup le matin, trop lourd, vais voir après-midi, bye, à demain. Pas de souci Christopher, à demain. Bon après-midi. Et bonne journée bien sûr. Pansy qui disait le scalping, tu es directement. Et face ah, en face des robots, tu veux dire, même en day trading, hein. Même moi, si tu veux, dans l'intraday des trading que je fais, bah, je sais qu'il y a les algos qui sont face à nous aussi. Hein. Julien qui nous est bon boss, ah pardon, bon, je bosse les vidéos, et je reviens, merci, je t'en prie, Julien, n'hésite pas. Léo qui nous est merci pour votre réponse, avec plaisir, Léo et Rémi qui nous est hello, bienvenue à toi, Rémi. Pansy qui nous disait, je préfère le discrétionnaire, moins de stress. Ah justement, tu alors attention Pomsi, hein, si tu dis discrétionnaire moins de stress versus le scalping, c'est deux choses différentes. Hein. Pour moi, tu peux pas trop comparer. Après, tu peux faire du scalping systématique ou du scalping discrétionnaire. Mais du coup, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça du coup? Allez, encore quelques minutes et je vais vous faire le point marché justement sur graphique horaire pour le restant de la journée. Donc ce matin, on était bel et bien dans une fausse cassure baissière. Pour mieux repartir à la hausse, on l'a énoncé aussi rapidement. Et c'est le genre de scénario qui s'est passé. Donc moi, j'avais aucune vente. De toute façon, j'étais favorable plutôt sur de la hausse. Il n'y a pas eu de belles opportunités par contre sur le DAX, mais sur le CAC, oui. Et GBPUSD aussi en cassure de la zone. Rémi, tu me disais, le Nasdaq atteint ses plus hauts journaliers, peut-être en range. Le Nasdaq, bah, en fait, ouais, le Nasdaq, on a les 12 150. Donc là, c'est la borne haute du range journalier. Donc on s'attend à un peu de réaction. On s'attend à un peu de réaction. Je pense que là, par exemple, on est monté ce matin un peu sur l'open, hein, sur cette première heure de séance. Ça peut hésiter derrière. Ça peut hésiter derrière. Parce qu'en plus, tu as la R2. Donc là, si ça hésite, up, rejet attendu dans un premier temps. Et si ça hésite trop et que tu n'as pas d'indication d'un rejet, mais plutôt d'une cassure, d'une belle confirmation, ça peut continuer la hausse. Hein. Tout peut arriver en trading. C'est pour ça qu'il nous faut toujours plusieurs scénarios. Scénario de range possible, un peu en mode niveau aimant autour des 12 150 par exemple, tu vois. Sinon, cassure ou réintégration. Rudy qui nous dit bonjour Jérémy, j'ai regardé les vidéos sur RNCO, j'ai ouvert un compte Admiral Markets et je vais tester si cela me correspond. As-tu des recommandations? Merci. Top Rudy, ça fait plaisir à lire, bienvenue à toi en tout cas. Ben écoute, si tu as regardé la playlist des vidéos pour débutants, c'est une bonne chose, tu peux commencer avec ça justement. Ben, comme recommandation, concentre-toi aussi sur les actifs les plus intéressants comme je le fais, hein, c'est-à-dire le DAX, le FTSE le matin. Si tu veux absolument faire du fort avec ça, le GBP/USD qui est de temps en temps intéressant comme on l'a vu ce matin ici avec le système et la hausse. Mais du coup, l'après-midi, Nasdaq, le Dow par exemple. Et ensuite, bah, tu peux me poser des questions, hein, il n'y a pas de souci directement depuis le chat aussi du site internet en question. Mais voilà, hein, tout simplement. Tout simplement, si tu es sur Admirals aussi, après, bon, pour découvrir, tu n'es pas obligé de partir sur des Renko Sessions tout de suite. Tu peux laisser les Renko standards. Mais voilà, après, si tu as des questions, en tout cas, n'hésite pas. Pansy qui nous est, je dis, par le fait de prendre beaucoup de positions en même temps, je n'aime pas. Ça marche. Donc, ça, oui, c'est le côté du scalper qui a besoin de quantité pour générer plus. Mais après, il y a des scalpers qui vont prendre peu de trades, ils vont juste risquer plus sur leur trade aussi, dans leur séance en fait. Rémi qui nous y est et il vient de stopper. On voit aussi le canal baissier en journalier où il se trouve au plus haut. Tu nous dis Rémi par rapport au Nasdaq, du coup j'imagine. Hop, tu nous parlais d'un canal baissier en journalier. On va aller voir ça si tu veux. Hop.
Yes, je vois ce que tu veux dire. Si tu prends, ouais, en référence les mèches, hop, on est sur la partie, tenter d'être cassé un petit peu. L'autre côté, c'est pas trop mal respecté comme ça. Yes. Bah t'as le, ouais, t'as pas mal d'éléments de toute façon sur cette borne haute et t'as le niveau clé des 12150. Donc de toute façon, toujours le même principe, hein. Face à une résistance, la résistance, du coup, joue son rôle jusqu'à preuve du contraire. C'est comme ça que je fonctionne. C'est une approche un peu plus systématique et c'est une approche qui a du sens et qui est logique aussi. Rudy qui nous est un grand merci. Jérémy, c'est top. Je t'en prie, Rudy, avec plaisir. Laurent qui nous est du coup perte pour moi à nouveau sur le DAX. Bonne journée. Ça marche, Laurent. Travaille bien ton agressivité. On en avait parlé la semaine dernière. C'était déjà ça. Tu vois, moi, typiquement ce matin, en mode normal, c'est-à-dire pas agressif, il n'y avait pour l'instant rien à faire. Oui, c'est comme ça sur le DAX. Des fois, il n'y a rien à faire. Des fois, il y a des choses à faire. Après, quand tu traites d'autres actifs, tu peux avoir plus d'opportunités. Mais par exemple, une séance comme ça d'1 heure où tu n'as rien à faire, c'est pas si grave, surtout quand tu vas trader les US l'après-midi, le soir, ou quand tu vas même trader un peu plus longtemps le matin, tu t'arrêtes pas à 10 heures, tu trades peut-être jusqu'à 11 heures. Ça se trouve, on aura de belles opportunités ce matin de 10 heures à 11 heures, tu vois, même à 11 h 30. Donc, ça dépend de l'emploi du temps de chacun aussi. Mais en tout cas, fais bien attention à travailler l'agressivité parce que c'est vraiment dommage. Du coup, que ce soit le problème. Alors attends, je m'occupe en même temps ici des spams. Rémi qui disait yes, merci, je t'en prie, Rémi. Et Paul qui disait 80, ouais, 80 likes. Ouais, on est en dessous hein, ce matin des 100 likes. N'hésitez pas à liker, on a encore quelques minutes. Je vais faire le petit point marché tout de suite. Emmanuel qui nous est d'accord, merci, je t'en prie, Emmanuel. En tout cas, tiens bon, Laurent, tu sais ce qu'il y a à travailler. Donc, c'est ce qui te reste à faire maintenant. Tu sais ce qui te reste à faire. Allez hop, graphique horaire. Donc ici on est bel et bien sur la cassure des 12150 de la zone R1, résistance aussi, direction possible. Donc les 13050 points zone suivante, on a la R2 après et bien sûr les 13150. Donc là ce qui sera intéressant à voir, c'est si on a du maintien après la correction, soit après avoir été chercher les 13050, soit avant, mais que cette zone de 12 000 en fait 950 et R1 passe bel et bien en support. Parce qu'on peut très bien repartir en flèche ici, enfin en ligne droite, je veux dire, à la baisse en dessous, sans marquer aucun intérêt dans la zone. Donc c'est cet intérêt dans la zone qui sera intéressant de voir, soit bientôt, soit une fois qu'on a touché les 13 050. Donc toujours aussi important les 12 950 pour moi aujourd'hui, ce matin et pour la journée sur le DAX 40 au final. Donc soit pour un maintien, soit pour une réintégration, toujours à regarder. Pas de trading de range particulier ici puisque on est toujours dans un élan haussier. Bien sûr, si on a la réintégration, eh bien ça souligne le trading en range journalier à ce moment-là, mais ça c'est de manière un peu plus indirecte. Le CAC 40 également ici, on va partir sur le graphique horaire. Bello sur le CAC 40 est toujours en travaux, hein, pardon, des zones résistance R1 du jour, 6100 points et borneaux de zone de range. Donc attention, il y avait la hausse à prendre, mais ça c'est en intraday rapide ici, je vous le remontre, puisque c'était vraiment le plus beau mouvement du coup qu'il y avait ce matin. Il y avait au point le plus haut jusqu'à 34 points, mais on prend jamais le point forcément le plus haut, mais il y a de quoi faire TP1, TP2, stop sueur bien sûr, largement positif. Mais pour autant, sur le graphique horaire, on fait bien attention, l'obstacle est toujours là, demeure toujours présent, 6100 points R1 du jour borne haut. Donc attention à un rejet pour un comblement de gap possible si on passe sous les 6062. Et si on arrive à s'affranchir du coup de cet obstacle, ça passerait support, direction point, pivot mensuel, la R2 avec le niveau suivant des 6137 points. Du côté britannique ici, on repasse un petit peu sous l'obstacle, mais on a eu une belle hausse hein, ce matin aussi. Le problème, c'est qu'elle était élancée, cette hausse, je vous l'ai montré tout à l'heure ici, elle était élancée depuis 6h02, heure de plateforme, ça veut quand même dire 5h02, heure de Paris. Hein. Donc très très élancée, ensuite que des prix trop hauts, là on commence à revenir et à respirer un petit peu seulement. Mais c'est après avoir atteint en fait directement la zone résistance des 7250 et quasiment même la R2. Donc là, ça respire. Soit on trouve du rebond et on teste encore la résistance, le sommet précédent. Là, on a plusieurs zones rebond possibles, bien évidemment, pour jouer et tenter de jouer la poursuite de la cassure. Puisque je vous rappelle que c'est une zone de range qui a été cassée ici, avec notamment les 7200 qui ont été cassés, 7200 bien sûr. Donc on va s'attendre à des zones rebond intéressantes pour continuer. Après, ça peut aussi partir dans du range. Attention, notamment si on est incapable de casser le sommet et qu'on teste plusieurs fois de chaque côté, minimum 2 fois bien sûr, borne haute, borne basse. Donc voilà pour le FTSE 100. Là c'était en 5 minutes, mais sur le graphique horaire, ça nous montre hop, la même chose avec la belle cassure de la zone. Donc pour des zones rebond potentielles aussi, à l'heure actuelle, face à une zone résistance qui va tenir jusqu'à preuve du contraire. Côté américain, rapidement, test de la R1, borne haute et 3900, donc une hausse qui peut être limitée. Rejet attendu dans un premier temps, sauf si on a une belle cassure comme ceci, ou un petit range et ensuite un breakout aussi, bien sûr. Mais pour l'instant, haut sur une borne.
haute de, enfin haut dans un range forcément, donc c'est sur la borne haute, les 3900. Ça va être un petit peu la même histoire pour le Nasdaq, on en parlait justement avec les 12150 ou encore un Dow. Oui non, le Dow par contre il avait cassé, excusez-moi, les 31350, il est déjà sur sa zone suivante des 31500 avec l'ARN du jour. Donc pareil, on verra si on peut trouver du maintien ici ou de la réintégration par rapport à ces 31350. Si on a un petit peu de range ici et que ça break de manière agressive, attention directement au test des 31650 points. Du côté des matières premières rapidement, et on est à 90 likes, encore 10 likes, et on tape ici l'objectif dans cette séance. Merci à tous ceux qui prennent le temps de liker, c'est vraiment top. Et on va retourner sur le chat dans un instant, mais le gold ici, donc qui casse son range par le haut et qui casse l'AR1 pour faire déjà le test du niveau intermédiaire 1720, ligne de mire derrière 1725 l'AR2 du jour. Faudra voir aussi si on n'a pas un petit peu d'hésitation dans la zone pour breaker ou pour réintégrer. Toujours penser à ces différents scénarios. Du côté du pétrole, on a bien continué la cassure de l'AR1 journalière de la zone support S1 réintégrée en mensuel et notamment des 104,50 $ pour une poursuite idéale sur les 106 voire l'AR2. Attention, il faut que ça maintienne en support bien sûr, sinon pareil, réintégration. Du côté Forex, rapidement, je vous le disais ce matin, l'euro-dollar qui est un petit peu plus piégeur, d'un point de vue horaire moins. C'est-à-dire qu'on n'a fait que de l'impulsion et de la tendance haussière comme ceci. Après, c'était les travaux autour des 1,01 qui étaient importants, bien sûr. On a cassé l'AR1 du jour, l'AS2 du coup mensuel. On est déjà sur l'obstacle d'après l'AR2 du jour et notamment les 1,01 15, les 1,01 50, pardon. Côté GBPUSD, c'était une belle cassure. Donc il y avait une bougie ici sur du M1, du coup pour une réintégration possible, ça n'a pas donné sur graphique temps. Par contre le système du coup LTA qui nous montrait bien la hausse possible avec le début de cet histogramme ici, une belle bougie d'inversion là pour cet élan aussi qui serait toujours en cours d'ailleurs, toujours en cours, ça ferait quand même un stop sur de 30 pips, pas mal ce matin sur la cassure. Donc pour le restant de la journée, vous en doutez, c'est la confirmation de la sortie de cette zone de range, la cassure des 1,1910 qui est favorite. Par contre, on se rapproche déjà d'un obstacle important, enfin de l'obstacle suivant tout simplement, les 1,1955 et notamment l'AR3. Donc attention à une respiration à venir, peut-être pour du rebond comme ceci sur le GBP/USD. USD/JPY qui a cassé du coup, mais qui n'a pas su s'élancer bien plus bas que le creux précédent pour l'instant sous les 138,15. Et sinon, petit point crypto, on tente de poursuivre la fameuse cassure des 21 500 qui pourrait redonner une tendance haussière en journalier au Bitcoin. Donc voilà pour ce petit point marché pour le restant de votre journée depuis ces graphiques horaires. J'espère que la matinée a toujours été bien, enfin continue d'être instructive bien sûr pour tout le monde. Il n'y a pas eu énormément d'exemples de choses extraordinaires à faire ce matin. On a du DAX qui est désormais en tendance haussière M50, en tendance haussière M1 aussi, donc attention à la poursuite possible. Le GBPUSD qui était déjà élancé, le CAC 40 aussi. Mais voilà les contextes et voilà la fin de notre séance. En tout cas, j'espère que la semaine démarre bien pour tout le monde. Michael qui nous dit bonne journée, je pars avec un gain de 1 euro sur l'USD JPY. C'est tout. Il n'y a pas de petit gain en tout cas. Bien joué ici à toi Michael. Florent qui nous dit je me disais bien que l'on n'avait pas vu le robot Naked. Le robot Naked. Qu'est-ce que tu voulais dire du coup, Florian? Pensez qu'il disait, il est partout celui-là. Ah oui, pardon, tu parlais du. J'étais sur le robot des moyennes mobiles de tout à l'heure, dont un autre participant nous avait parlé. Mais ah oui, c'est le fameux spam ici, ça faisait longtemps. Jérôme qui nous dit bonne journée, Jérémy, à demain. Merci à toi aussi, Jérôme. Très très bonne journée à tout le monde. On est à 5 likes du TP à 1 en séance des 100 likes, bien sûr. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. On est donc dans des contextes de hausse, une fausse. Enfin. Un faux mouvement baissier quelque part pour mieux repartir à la hausse. Chercher justement cette contrepartie, cette liquidité pour mieux partir à la hausse. C'est un petit peu le mot du coup ici. Il y avait déjà du rebond, un petit TP qui aurait été fait ici sur le DAX, sur ce petit rebond ici. C'est le genre de choses que vous retrouvez dans la formation gratuite pour débutants du coup que j'ai mis en place directement désormais, de même depuis le site internet. Je vous souhaite à tous du coup un excellent. Ça y est, on tape les 100 likes, ça a été très vite. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite bien sûr un excellent début de semaine, une très très bonne journée, un très bon trading et on se retrouve demain avec plaisir. Demain matin de 8h30 à 10h, demain soir on a le fameux webinaire justement pour bien préparer la rentrée. N'hésitez pas à nous rejoindre bien sûr pour être présent, pour pouvoir me poser les questions que vous voulez et qu'on parle de tout ça pendant 1 heure demain soir de 20h à 21h. Rudy qui nous dit bonne journée à tous, je commence la semaine avec 3%. Grand merci Jérémy pour ces excellents partages. Avec grand plaisir Rudy, bravo à toi, ça fait plaisir à voir. Et Thierry qui nous dit merci beaucoup, je t'en prie Thierry avec plaisir. Florian qui nous dit voilà, bonne journée pour le live et merci pour le live, je t'en prie. Denis qui nous dit voilà 101 parfait, merci Denis, merci à tout le monde, un trade safe nous disait Florian, exactement.
Bien dit, Nassuf qui nous dit bonne journée à tous, à toi aussi, Nassuf. Donc voilà, ici, on se retrouve bien sûr demain matin, 8h30, 10h déjà, et on reparle de tout ça. Très bonne journée à tous, excellent début de semaine également.